Dans le cadre des rencontres de l'eau, se sont réunis dans l'hémicycle du palais de La Source, le conseil départemental, l'office de l'eau ainsi que les différents acteurs de l'eau. Des rencontres organisées cette année autour du thème « Regards croisés sur l'eau dans les eaux ». Une matinée d'échanges ainsi que des réflexions menées collectivement qui permettront d'aboutir à un véritable plan d'action partagé pour l'amélioration des conditions d'alimentation en eau des Hauts-de-l'Île. Concernant donc l'alimentation en eau des Hauts de la Réunion, ainsi que des zones isolées, c'est bien un problème d'isolement, hein, c'est le cas de le dire. Ça veut dire trouver la ressource en eau, parce que naturellement l'eau s'écoule, donc l'eau part du haut vers le bas. S'il n'y a pas d'eau qui tombe sur les hauts, on risque d'avoir des problèmes de disponibilité de la ressource en eau. Donc ça, c'est une première problématique. L'autre problématique, c'est comment stocker cette eau et comment amener cette eau vers les activités qui en ont besoin. C'est très important de faire ce genre de réunion parce que justement ça permet à la fois d'identifier probablement des méthodes, des façons de faire, des connaissances qui sont quelque part chez quelqu'un, et de mettre tout ce monde ensemble, ça permet justement de partager, de mettre en commun toutes ces méthodes, toutes ces connaissances qui permettront d'améliorer l'alimentation en eau de ces zones reculées. Depuis plus de 40 ans, le département s'investit dans le domaine de l'eau et du développement agricole et socio-économique de l'île. Dans le cadre d'une politique de gestion globale et solidaire, la collectivité met en œuvre les moyens de satisfaction des usages et besoins en eau du territoire. Le département était un partenaire institutionnel et très ancien dans le domaine de l'eau, puisque le département délivre de l'eau brute, déjà de par ses réseaux d'irrigation, de par basculement de l'eau de l'Est en l'Ouest qui vient de se terminer. Donc c'était un partenaire essentiel dans la délivrance de l'eau brute. Maintenant, on a une problématique à La Réunion, c'est l'alimentation en eau des hauts de l'île. Vous avez des secteurs où la ressource n'est pas suffisante, tout d'abord en termes de potable, ensuite pour les agricultures, ensuite pour le développement agrotouristique, et enfin pour l'alarme pour les incendies, puisque dans certains secteurs, les pompiers ont des difficultés pour intervenir. Donc il est très important de mettre en place ce plan pour que dans l'avenir, on puisse améliorer l'alimentation en eau pour tous les usages dans les hauts de l'île. Les rencontres de l'eau constituent un moment privilégié d'échange et de partage et permettent de mener des réflexions communes sur les enjeux en matière de gestion de l'eau sur le bassin Réunion.